Patinoire de Garmisch en Allemagne, les vice-champions du monde Marika Kilius et Jürgen Baumler nous donnent un aperçu de ce qu'est le patinage moderne. Moderne à ce point que Marika et Jürgen se mettent au goût du jour, ils ont adapté le rock'n'roll à leur figure de patinage. Peut-être moins dangereux de danser le rock'n'roll comme tout le monde sur un parquet suré, et ainsi Marika ne risquerait pas de prendre froid. À Murrayfield, devant l'Écosse, l'équipe de France de rugby a prouvé qu'elle a peut-être encore une chance cette année de remporter le tournoi des 5 nations. Le début du match est un grand festival offensif des Français. 26 minutes de jeu, le trois quarts centre Bouquet, après une course de 50 mètres, passe à Meyer qui marque le plus bel essai de la partie entre les poteaux. Essai que transforme facilement Vanier. Après quelques phases de jeu confuses, Bouquet, encore lui, perce une nouvelle fois et c'est l'ailier Méric qui ajoute 3 points à l'actif de son équipe. Les Français bousculent les Écossais, ils ajoutent un troisième essai signé par leur capitaine François Monclat, 13-0. Pour les Écossais, c'est un désastre. Ce désastre, finalement, sera transformé en défaite honorable. L'équipe de France a un joueur blessé. Les Écossais sentent que c'est le moment d'attaquer. Smith finit par marquer pour son équipe un essai transformé. Cet essai sera suivi d'un coup franc qui ramène la marque à 13 à 8. Les Français sont pressés près de leur ligne de but, mais ils tiendront presque jusqu'au bout. Et finalement, les Écossais frisent l'égalisation par un dernier essai à 8 minutes de la fin du match que gagne la France par 13 à 11. Six amateurs au mètre carré, 120 peintres célèbres, 3 commissaires-priseurs de grand renom, la collection d'art la plus éphémère, puisqu'elle n'aura duré que le temps d'être réunie pour être dispersée au feu des enchères. Il est vrai que c'était pour les sinistrés de Fréjus. 72 000 73 000, 75 000, 78 000. Ainsi aura-t-on vu à la galerie Charpentier, autour des Chagall, des Buffet, des Miro, des Dali, des Braque, offerts par leurs auteurs, voltiger en francs lourds des chiffres dont le total dépasse le million, soit 100 millions de francs légers. 54 000, 55 000, 56 000, 57 000, 58 000, 60 000, 62 000, 63 000, 65 000, 66 000. Le plus coté fut naturellement Picasso. 150 000 adjugés. 15 millions d'hier, une belle vente et une bonne action. Avenue Paul Doumer, 71. Le mur derrière lequel il se passe quelque chose. Et dehors, par moins 5, il faut avoir du courage. C'est sans doute pourquoi reporters et photographes sont allés chez le bistrot du coin assister à la conférence de presse que leur a faite Jacques Charrier à l'occasion de la naissance de son fils Nicolas. Nouvelle qui, si elle ne fait pas pâmer les chancelleries, n'en a pas moins pour l'édification des foules mobilisé tout le journalisme de choc. Pensez donc, le bébé de bébé. À Montereau,
l'Électricité de France vient de réaliser une performance stupéfiante en édifiant en moins de 2 ans la plus moderne des centrales électriques. Cette centrale est apte à fonctionner au charbon, dont l'acheminement est assuré automatiquement jusqu'aux chaudières. Mais son originalité est d'être la première à utiliser également le gaz de lac comme combustible. Elle peut en outre fonctionner à la fois au gaz et au charbon. Tout est automatique depuis la mise en service des brûleurs, dont l'action est suivie sur des écrans de télévision, jusqu'aux opérations de dépoussiérage qui permettent de n'expulser dans l'atmosphère qu'une simple vapeur d'eau. Dans cette immense usine, aucune activité humaine, puisque tout est télécommandé d'un double poste central où 2 hommes seulement assurent la surveillance et le contrôle. La nouvelle centrale de Montereau est un modèle du genre. Sa puissance atteindra 1 million de kilowatts. En même temps qu'un progrès révolutionnaire, elle constitue un appoint dont on peut souligner l'importance pour l'alimentation en courant électrique de la région parisienne. On a déjà connu la croix gammite, une maladie à fanfare et à drapeau. Mais on a vu aussi où elle menait. La maladie débute par une démangeaison, l'antisémitisme. Partout où apparaît la croix gammée, malheur aux juifs. On a vu cela. Voués à l'exécration, livrés à la vindicte publique, ils ne tardaient pas à être ramassés comme du bétail. Pour être transportés, on sait tout. On sait comment on les a retrouvés. On sait, oui, ceux qui ont vécu cette époque. Mais les autres, mais ceux qui avaient 5 ans en ce temps-là, le savent-ils, eux ? Nous avons vu l'affreuse étoile jaune désigner le juif à toutes les injures. Et l'étoile jaune, c'était toujours un préambule au camp de la mort. Mais combien qui ont grandi n'ont jamais su ce que contenaient les camps de la mort ? Ce qu'Eisenhower, aujourd'hui président des États-Unis, a pu voir en les ouvrant en 1945. Sous le signe de la croix gammée, c'était la trique, le fouet, la masse comme à l'abattoir. Tout cela pour finir au four crématoire que le nazisme n'avait pas bâti assez nombreux pour absorber son contingent quotidien de cadavres. Il y a parmi nous des enfants qui n'ont pas vu ces images et des grands qui les ont oubliées. Ces morts vivants couverts de vermine qui ne ramenaient au grand jour de la liberté que la maladie, l'infirmité ou la folie. Ces hommes tatoués d'un numéro dont la peau tannée pouvait servir à leurs tortionnaires pour fabriquer des reliures ou des abat-jours. C'est à ceux qui ne savent pas ou qui ne savent plus qu'il faut dire « c'est ça que vous appelez quand vous tracez une croix gammée ». Ce signe, c'est l'appel à cette odeur de charnier qui reste collée à la peau du nazisme. Vous voulez jouer avec la croix gammite. Regardez, des millions d'hommes en sont morts. Et morts de quelle façon ? Vous voulez recommencer ? Vous êtes fous.